Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, allez courage, c'est bientôt week-end et bientôt les vacances pour nous. J'ai froid ce matin. Déjà il caille dehors, je viens d'aller chercher Angèle. J'ai l'impression, ouais, on est très très loin des 20 degrés qu'on a eu ce week-end, même plus. Voilà. Du coup le choc thermique est un peu trop pour notre corps. Mais en fait on avait sorti les petites tenues d'été, enfin de printemps, de trucs. Et là vous remettez les cols roulés et tout quoi. En fait il caille vraiment. Oh. Alors en plus là je suis fatiguée, donc mélange des deux fait en sorte que... Bref, un petit café et puis on va continuer. J'étais en train de faire mes routines, donc on va continuer les routines. J'ai nourri aussi mon levain. Je voudrais faire aujourd'hui donc un pain, mais je voudrais aussi, alors comme je l'ai nourri hier et que du coup ben, j'ai un peu plus de levain, je vais faire des crêpes au levain. Je les ferai cet après-midi et après je mettrai la pâte au frigo jusqu'à demain matin. Et alors ça sera pour peut-être le petit déjeuner, mais pour le goûter aussi. Voilà, histoire de fêter les vacances. Bon allez, on y va, routine. J'ai un peu de temps ce matin parce que comme je me souviens même pas si je vous l'ai dit, Stacy commence à 9h, donc du coup voilà. Mais ça sert à rien que j'aille essayer de me recoucher puisque à chaque fois j'ai du mal à me rendormir. Je me rendors sur le coup de 6h30, 7h, et comme là quand elle commence à 9h, ouais, grand max il faut que 8h30 on soit parti, donc il faut que 7h, grand max 7h30 il faut que je sois réveillée, donc ça vaut vraiment pas le coup. Allez, on y va. Courage Sandra, c'est la dernière, demain c'est Greg qui s'en occupe. Et après avec un peu de chance, on va croiser les doigts, je pense qu'il restera peut-être, alors j'allais dire c'est peut-être le dernier cycle de nuit où je vais devoir, où je vais devoir y aller, mais je ne pense pas, comme je vous ai dit, il doit attendre son permis, le vrai quoi en fait, pour pouvoir se déplacer en Belgique, mais logiquement ça met déjà un mois. Là, on a envoyé les papiers et tout. Donc ça fait un mois. Donc il y aura encore un cycle de nuit. Logiquement, ce serait le dernier. Logiquement. Mais bon, comme je vous ai dit, Marine, ça avait mis pratiquement 4 mois. Parce que le papier qu'ils ont, vous voyez, quand ils ont leur permis, en fait. Alors maintenant, nous avant, quand on passait le permis, on savait direct si on l'avait ou pas. Là maintenant, c'est plus le cas. Il reçoit un mail le lendemain. Voire le surlendemain, là ça a été vite, il a reçu le lendemain un mail comme quoi que il a eu ou pas quoi en fait. Et en fait ils doivent imprimer ce papier, c'est un papier, donc un truc imprimé qui est valable 4 mois à partir de la date d'obtention du permis. Donc du coup en fait ils ont jusqu'à 4 mois pour envoyer, et Marine son papier arrive à un moment, il était plus valable, donc son permis a mis 4 mois pour arriver, enfin même plus que 4 mois, et tout ça parce que la carte d'identité, une fois elle n'était pas, pourtant c'était des photos d'identité homologuées là, mais la photo n'était pas passée, c'est pas passé 2 ou 3 fois je pense, donc à chaque fois ça retarde parce que à chaque fois elle doit refaire les démarches. Alors on va croiser les doigts pour que, là il a été faire sa photo lundi, et je lui dis non mais t'aurais pu te raser quand t'as fait ta photo. Il me dit ouais je m'en fous. J'ai dit mais tu te rends compte que ta photo elle va te suivre pratiquement, enfin le permis, on a le même permis toute sa vie quoi en fait, donc ta photo va te suivre toute la nuit, toute ta vie quoi en fait. Je m'en fous. C'est marrant, alors que nous, moi je me souviens d'avoir été me pomponner quoi, limite, pour aller faire ma photo pour mon permis, hein. Nous on devait la donner avant, c'était dans notre dossier, c'était pas nous qui gérons tout ça en fait, c'était mon examinateur qui faisait tout ça. Ça date, hein. Ça date. J'ai eu mon permis, j'avais 18 ans, je vais en avoir 46. Et ouais, et on a l'impression que c'était hier, dans notre tête. Allez. Mes routines sont faites, là je suis en train de commencer un peu, alors j'ai pas de blessing aujourd'hui mais j'ai du ménage de zone, alors c'est une petite zone cette semaine puisque c'est la zone 5, c'est surtout en cette saison, parce que la zone 5 c'est l'entrée et les extérieurs de la maison,
Et en cette saison, surtout en ce moment où il n'y aurait pas de pleuvoir, etc., etc., bah, j'ai moins de travail en extérieur. Et puis, c'est beaucoup une zone que Greg fait, s'occupe. Par exemple, vous voyez, dans ma zone, j'ai, par exemple, on passe le souffleur, mais ça, on le passe plus quand il fait beau que quand il pleut, ou on ne profite pas de l'extérieur, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, plus en printemps, été. Automne aussi, quand les feuilles commencent à tomber et tout. J'ai nettoyé les chaises, les tables et tout, mais ça, c'est pareil, c'est encore tout en mode hiver, donc je dois pas le faire. Je dois remploter des plantes ou des choses comme ça, mais là c'est pareil, pour l'instant j'ai encore rien mis à l'extérieur. Ranger, aller à la déchetterie, nettoyer par exemple le barbecue, voilà, mais ça c'est des choses que l'on fait. Là on n'a pas encore lancé le barbecue, mais je pense que le mois prochain c'est au programme du mois prochain. Bref, donc du coup c'est une petite zone qui va aller très très vite. Là ce que je suis en train de faire, c'est même fini, je vais pouvoir le mettre un peu dans le sèche-linge et lancer mes rideaux. J'ai nettoyé mes tapis, mon tapis d'intérieur, j'en ai profité pour nettoyer celui de la cuisine et en même temps celui que je mets dans la buanderie, et je vais nettoyer mes petits rideaux que je mets, vous voyez, devant mon armoire à chaussures. Après, les sols, ils ont été faits à fond, je vais faire les poussières, les plinthes, ça a été fait, je vais faire le plafond aussi. J'ai mes murs à faire, nettoyage du compteur, et j'ai ma fenêtre et porte d'entrée, mais ça je le ferai demain. Ouais, demain, parce que ce matin je voudrais aller à Inter. On est jeudi aujourd'hui, donc vous savez, hein, le jeudi c'est promo à Intermarché, ça vaut le coup. Intermarché en Belgique, hein, pas celui de France. Et encore, les Intermarché en Belgique, je pense qu'ils ont chacun leur jour de promo. En fait, c'est le jour où ils font beaucoup d'anti-gaspi. Et beaucoup de sortes de viande passent à moins 50%, moins 30%, enfin voilà. Donc ça vaut le coup. Là, j'ai encore de quoi au congélateur pour tenir encore au moins une semaine. Mais ce qu'il y a, c'est que la semaine prochaine, c'est vacances. Et quand c'est ce genre de promo, il faut y aller à l'ouverture du magasin. Parce qu'après, si vous y allez par contre sur le coup de 11h, ça vaut plus le coup. Il n'y a plus rien, quoi, en fait. Donc il faut aller à l'ouverture du magasin. Déjà, là, ça m'embête parce que Stécie commence à 9h et que le magasin ouvre à 8h. Oui, en Belgique, les magasins Intermarché ouvrent à 8h. Ce qui est vraiment cool. Je dépose Stécie, je vais dire, directement quand elle commence à 8h, mais là je vais y aller à 9h. Bon, c'est pas grave, on verra ce qu'il y a. Ce qu'il y a, si je vais pas cette semaine, je sais pas si la semaine prochaine j'aurai la motivation, comme c'est les vacances, de me lever juste pour ça. Donc je vais aller aujourd'hui faire le plein pour souvent. Alors j'y vais de moins en moins, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début j'y allais toutes les semaines, mais je me suis rendu compte que je faisais trop de stock et que du coup je n'utilisais pas forcément ça restait trop longtemps au congélateur et j'aime pas trop. Donc là j'essaie d'y aller quand vraiment j'ai pu assez pour faire le menu de la semaine prochaine, vous voyez, parce que autrement j'utilise pas et j'aime pas quand ça reste trop longtemps au congélateur, et puis ça me force au moins à utiliser, parce que moi j'ai le chic, c'est d'acheter des trucs qui sont en promo et je le fais pas, j'attends, mais ça vaut pas le coup. Donc du coup voilà, je me force à utiliser ce que j'ai dans le congélateur, comme ça, à vider à chaque fois le congélateur avant d'y retourner. Donc pratiquement maintenant j'y vais une fois tous les 3 semaines, à peu près. Ouais, je pense que ça fait un peu ça. Parce que quand j'y vais, j'en ai pour peut-être 80€, mais j'en ai pour 3 semaines. Ouais. Bon, allez. Enfin, 80€, ça dépend ce que j'achète. Hein. Allez. Je vais continuer mon ménage de zone. Mais du coup, je vais déjeuner aussi avant de partir. Donc, j'ai encore un peu de temps parce qu'on s'en va pour 8h30. Je vais déjeuner pour 8h. Ouais. Parce que je ne veux pas déjeuner trop tôt non plus. Mais je vais déjeuner avant parce que Stécie finit à 11h. Donc si ça tombe, je vais peut-être devoir y aller et aller directement la chercher. Ou j'aurai juste à peine le temps de rentrer pour ranger la viande. Bon allez, hop. Ménage de zone. Voilà. Entrée pratiquement faite. Il me restera juste donner un petit coup sur le compteur et la porte à l'extérieur que je ferai demain. Mais tout a été nettoyé, les rideaux, le tapis. Le tapis, je le fais sécher. Alors celui-là, en fait, il passe à la machine à laver. J'ai testé une fois pour voir. Il passe à la machine à laver, il passe au sèche-linge. Mais je ne le fais pas sécher à fond, vous voyez, parce que autrement, il se retrouve un peu trop chiffonné. Je le fais juste sécher pour qu'il soit sec, mais encore légèrement, légèrement humide. Je ne sais pas comment vous dire. Mais du coup, il se met bien à plat. Après, il finit de sécher comme ça, quoi, en fait. Donc voilà, ce que j'ai fait au niveau des manteaux, donc j'ai refait le tri. Vous voyez, on a un...
manteau comme ça, enfin un porte-manteau comme ça, donc quand on est 5 à avoir 3-4 manteaux, c'est vite le bazar. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout ce qui est veste et tout, je vais les remonter, on les redescendra si besoin. Et j'ai mis tout ce qui était écharpe, gants qu'on va plus mettre, sauf l'écharpe ma marine, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait peut-être encore la mettre. Mais tout ce qui est écharpe, gants, bonnet et tout qu'on mettra plus, je les ai mis à laver. Comme ça, ça va être fait. J'ai juste gardé le bonnet et le sac et les gants à Greg, puisque de temps en temps, quand il va au potager, il le met. Voilà. Ouais, mais du coup ça fait un peu plus de place, ça fait un peu plus aéré. Donc tout ce qui est petit manteau, je vais les remonter. Et comme je vous ai dit, là je suis même en train de laver mon manteau, mon long manteau, gros manteau beige. Je vais faire juste avec le noir pendant les quelques jours qui restent, où on va encore devoir le mettre. Enfin, on espère quelques jours. Parce que logiquement d'ici... voilà, d'ici le mois de mai, d'ici 15 jours, 3 semaines, logiquement, les températures devraient remonter un petit peu. Là, ce matin, alors logiquement, nous annonce une très belle journée, le soleil est sorti, mais il fait 1 degré, donc limite gelé, quoi, en fait, il caille quand même, quoi. Mais bon, logiquement, après les seins de glace, il devrait plus geler, logiquement, après 15 mai, bon, en fait. Donc, hein? Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner. Comme ça, après, je pourrai aller me maquiller. Et puis, bah, je vais aller conduire ma mise à l'intérieur. Petit déjeuner, un kéfir de lait. J'ai fait mix des fraises avec un kiwi. C'est une petite salade de fruits. Du pain au levain. Et je vais prendre un petit peu de rondelet au bleu d'Auvergne. Je suis rentrée. Je vais me dépêcher parce que je dois aller chercher, comme je vous le dis, Stécie. Il est 10h passé, en fait, je suis partie ben 9h, tant que j'arrive là-bas il est 9h30, enfin 9h15, et puis ensuite je suis tombée sur Kim, donc du coup on a un petit peu papoté dans le magasin. Alors il n'y avait plus grand chose, parce que ben, j'ai été tard quoi en fait, mais j'ai quand même trouvé, si je vois pendant les vacances, j'ai le courage de me lever pour y aller, j'irai. En fait c'est même pas le courage de me lever, c'est le courage de sortir. On verra. Moi autrement, mais je pense que j'aurai de quoi tenir quand même. Ou au pire, on ira à la boucherie. Alors, j'ai pris... Il y avait du rôti de porc, moins 50%. Même un peu plus que moins 50%. Parce que là, il était à 14,26. Je l'ai eu à 7 euros. Donc, ça revient à 5,50 euros le kilo. C'est de l'épaule de porc. Je vais faire de... Je vous avais dit, hein, à chaque fois que j'en vois, j'en achète, je mets au congélateur pour pouvoir faire des bocaux avec. Donc là, j'en ai pris 2. Et je pense que j'en avais 2 déjà au congélateur à vérifier. Mais du coup, ça m'en fait 4. Donc, je me dis peut-être que je vais pouvoir lancer pour le... pour en faire. J'ai pris aussi de la carbonate de porc, 5 euros, ça je fais plein de trucs avec. Pareil, elle était à moins 30. Cordon mieux jurassien, cela c'est les enfants, ils aiment bien. C'est en fait, au lieu de que ça soit du porc ou du poulet, c'est du bœuf. Donc c'est une escalope de bœuf avec du jambon de pays à l'intérieur et du fromage. J'ai trouvé un rôti de porc chorizo mozzarella. Ça c'est parfait pour les dimanches par exemple. Vous mettez ça dans le four, des petites pommes de terre au four autour, et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Il y avait de la rillette d'oie, je sais que Greg aime bien, donc du coup je lui ai pris. Hop, j'ai pris des filets de poulet pour ce midi parce que j'ai oublié de sortir ceux que j'avais au congélateur, et j'ai pris des os à moelle maître d'hôtel. Alors j'en ai pris 2, je vais voir avec Greg si je les mets tous les deux au congélateur ou pas. En fait c'est un os à moelle avec du beurre à l'ail au-dessus, et enfin je sais que les Greg et Ceci adorent la moelle, donc ça va, voilà. J'ai pris, alors j'ai anticipé un petit peu pour la semaine prochaine au niveau des vacances, j'ai pris des raviolis pour faire un gratin de raviolis. En fait elles sont pas trop chères en Belgique, et la compo bon, serait meilleure maison hein, je pense, mais ça va quoi. Farine, semoule de blé, œufs. La farce, donc c'est du blé, de l'huile d'olive, de la levure, viande de porc et de bœuf, sel, farine, il y a de la mortadelle dedans, de l'eau, margarine, fromage en poudre, fécule de pommes de terre, épices. Donc oui, bon, on va dire que ça va quoi, pour dépanner hein. Comme si on en mangeait toutes les semaines.
J'ai pris des hachets de saumon. Alors, c'était une date limite. J'en ai pris 3 paquets de 2. Donc, 6. Je me suis dit pareil pour la semaine prochaine. Donc, ça, c'est la même chose hein, au niveau. C'est juste les. Ah, quoique. Le colza. Le tournesol. J'allais dire, c'est juste les huiles, mais. Non, bah après, ouais, ça va en fait. Du saumon. De l'huile végétale. De l'eau. Oignons. Protéines de blé. Texturé, donc ça c'est les protéines, nous il y a des moments c'est des protéines de soja, je sais pas si vous connaissez qu'on peut manger texturé là. Donc là c'est la même chose mais c'est de blé, donc c'est juste des protéines de blé, de la farine de blé, échalote, flocons de pommes de terre, ciboulette, blanc d'œuf en poudre, sel et des épices. Donc voilà, j'ai regardé et on peut les mettre au congélateur, enfin c'est pas, ça n'a pas été congelé. Donc du coup je pense que je vais les mettre au congélateur et je les ressortirai le jour où on les mangera. Comme je vous ai dit, ça sera pour la semaine prochaine. Et il y avait un gros pack de viande hachée. Il y a beaucoup, hein. Il y a 2,5 kg dedans, j'ai payé 10 euros. Donc ça c'est pareil, je vais le diviser et mettre au congélateur la viande hachée. On peut faire plein de repas avec. J'ai pris aussi des petits lardons, mais je suis bête en fait. Je les ai pris en sachant qu'il y a de la... qui a de la, du lard à Greg pour la salade de semis. Je vais faire une salade César. Je suis bête, j'aurais pas dû les prendre. Bref, et j'ai pris du parmesan, il était en promotion. J'ai payé 3,17€ pour 200 grammes, donc ça revient à 14,90€ le kilo. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il était pas cher, je pense, parce que d'habitude le parmesan il est plutôt cher. Bon, après là c'est du pas du, c'est du AOP, mais c'est pas du 18 mois, vous voyez, d'âge. Je pense que c'est ça. Bref, je vais me dépêcher, je vais mettre ça au congélateur, mettre ce que je sais pas au frigo, et je vais voir avec Greg ce midi, et je vais aller chercher ma miss, et je vais rentrer Luna qui a voulu partir, sortir au moment où je partais. Je lui ai dit, je te préviens, tu vas aller dehors, ok, mais tu vas devoir rester dehors le temps que je reviens. Bon, après, comme je vous ai dit, Luna, c'est pas du tout une vadrouilleuse. Elle reste toujours dans les abords. Elle se couche sur la terrasse, au soleil. Elle profite, elle a bien raison. Allez, je range tout ça. Alors, je me dépêche, mais je vais quand même prendre le temps de noter avant de mettre au congélateur, parce qu'autrement, je ne vais plus savoir ce qu'il y a dedans, et c'est comme ça que j'oublie. Au niveau du prix, j'en ai eu pour 68,76€. Et il y a... une dizaine de repas, enfin 10 repas, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 10, 11 repas, et du coup, quand on divise, alors, divisé par 11, et divisé par le nombre de personnes, ça fait 1,25€ le repas. Le repas, la viande. Comme je vous dis à chaque fois, je tourne à chaque fois à peu près autour de 1,50€ au niveau de la viande. Donc après, quand je rajoute les légumes, etc., etc., je suis à peu près à 2,50€, 3€ le repas, voilà, complet. Oui, donc comme d'habitude, je note, je prends mon application Notion et je note ce que je mets avec mes petites idées de repas, si j'ai des idées de repas. Récupérer la miss. J'avais chaud dans la voiture. Ce matin, j'étais gelée. Et là, ouais, il fait très très bon. Alors, au soleil, hein, à l'ombricaille. Hein. Alors, je suis en train de commencer à préparer la salade César pour ce midi. Je suis en train de faire cuire le poulet comme ça. Après, je vais le trancher, je vais le mettre à l'intérieur. Hop, et je vais faire ma sauce César. Alors je vous l'explique plus hein, mais je pense que je vais remettre la recette peut-être dans la vidéo des repas. Je vous mettrai la recette de la sauce César, comme ça au moins voilà, elle est dedans, et ça sera plus facile après pour la retrouver. Donc je vais la filmer, mais pour mettre dans la vidéo qui sortira du coup mardi prochain, je pense, si tout se passe bien. Hop. Allez, je fais ma salade. Les salades sont faites, la vinaigrette aussi.
Il n'y a plus qu'à manger. Ça, c'est pratique parce qu'en fait, c'est le genre de truc où chacun, je ne l'assaisonne pas tout de suite. Je mets l'assaisonnement à côté. Autrement, ça cuit quoi, en fait, avec la vinaigrette. Donc là, au moins, tout le monde se sert. Et puis, je peux ranger. Vous voyez les salades, ce qui est bien, c'est que je peux ranger la cuisine. En fait, c'est le souci qu'on a, nous, le midi. C'est pour ça qu'on mange des sandwichs ou des trucs qui vont vite ou des choses comme ça. Parce qu'on mange tous en heure décalée. La limite, ça aurait été prêt. Stécie, je pense qu'elle aurait mangé à 11h30. Marine finit à midi. Elle rentre souvent sur le coup de midi 20. Et elle doit être partie pour 13h. Donc, elle n'a pas beaucoup de temps pour manger. Et Greg souvent mange à 13h. Et quand Angel fait aussi avec ses horaires aussi décalés comme ça aussi, soit il y a deux mois, il faut qu'il mange avant midi et demi quand il commence à 13h. Ou soit il faut qu'il mange après, ou là il dort et voilà. Donc il mange quand il se réveille, encore et demain il mange même pas parce que c'est vrai que déjeuner avec de la salade, avec des anchois et tout dedans, c'est pas trop le truc. Mais voilà, ouais, c'est pour ça que nos repas souvent le midi c'est plus pratique pour moi parce qu'autrement ben, je laisse la cuisine déjà encombrée, il faut faire réchauffer, il y a des choses que vous pouvez pas faire réchauffer donc c'est casse-pied. Donc ouais. Bon, là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer mon bourguignon pour ce soir, comme ça je vais le faire à la mijoteuse, il va cuire tranquillement tout l'après-midi. Je vais le mettre sur 4 heures puissance élevée. D'habitude je le fais puissance douce mais là je l'ai pas fait ce matin, enfin j'ai pas eu le temps de le faire ce matin donc du coup voilà, ce sera sur 4 heures. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you. On a mangé. J'ai préparé mon pain aussi. Pendant, on a une petite heure avant que je dois faire les rabats. Donc, on va aller jusqu'à Action. C'était si demain un goûter. Pour fin de période quoi, souvent ils font des goûters et donc elle va ramener des bonbons mais il faut des bonbons sans gélatine de porc donc du coup je sais qu'à Action ils en vendent donc on va aller jusque là et puis en plus il faut des bonbons pour la voiture. Greg m'avait demandé ce matin d'en prendre, j'ai oublié. Allez, on va y aller toutes les deux pendant que Greg se repose. Donc elle a pris ses bonbons, elle a acheté un truc. Elle faisait ça quand elle était petite. Vous voyez, c'est des perles à repasser. Et là, en fait, ils en ont sorti à Action et c'était un petit chat. Donc elle s'est dit pour m'occuper pendant les vacances, mais elle va commencer déjà. Donc, c'est pour t'occuper cette semaine. Et puis après, alors j'ai pris un sampon pour la voiture parce que Greg va aller nettoyer la voiture. J'ai pris aussi un truc pour essayer pour mon téléphone parce que à chaque fois dans la voiture je peux pas, mon téléphone est trop lourd et l'aimant il tombe à chaque fois donc là c'est un truc. Ah ouais, tu vas devoir faire le tri dans les... Oh, c'est horrible dans les couleurs, ils ont tout mélangé. Vous voyez, c'est des perles comme ça. Mais c'est, et là c'est... Ah ouais, bah t'as deux paquets tout ça comme ça mélangé. Mais c'est, en fait c'est 30 sur 40 et je pensais que ça allait être chaque couleur. Là tu dois faire le tri en même temps. Bah je vais faire un petit chat comme ça. Quoi? Tu vas prendre mes bols. Ouais, donc c'est pour mettre mon téléphone. C'est un truc, un tapis antidérapant qu'on pose le téléphone à plat. Et ensuite, ah, j'ai trouvé une petite balle pour Marley qui est déjà en train de jouer avec. Je me suis pris un petit serre-tête qu'on voit partout. En fait, je m'étais acheté un ruban, mais moi, le ruban, à chaque fois, il s'en va. Ça, c'est peut-être mieux. C'est pour faire mes petits soins là. Oui, quand je. J'ai racheté du truc comme ça aussi pour mettre dans la voiture et j'ai repris de la maillot. Voilà. Et ah, j'ai pris aussi des pignons de pain. Donc voilà, pour les courses d'Action. Greg est parti. Enfin, ouais, il est bien parti. Nettoyer la voiture. Hop, là, je vais faire mes rabats à ma patte.
Et ensuite, petit... Je me suis fait un bon kombucha là avec des glaçons et une rondelle de citron. Alors celui-là, c'est celui à la fraise. C'est marrant, c'est que le kéfir à la fraise, c'est un de nos préférés. Par contre, le kombucha à la fraise, j'aime pas trop. Je trouve que le mélange thé-fraise, c'est pas trop. Je ne flaie plus. Allez, donc je vais faire ça, puis ensuite ça retourne une heure au four. Comme je vous ai dit, c'est sur la position 30 degrés. Il fait meilleur là dehors, il fait beaucoup moins froid. Et puis ensuite, je vais aller bosser un peu. Un peu. Monter la vidéo. Commencer le montage, répondre à vos mails, à vos coms, et puis continuer le montage de la vidéo. Je la fais au fur et à mesure. Vous voyez, celle avec tous les repas et tout. Comme ce midi, je vous ai filmé la partie avec la sauce César. Je vais commencer à monter ça. Oui, j'arrive, Marley. Ce qu'il venait d'oublier sa balle dehors. En fait, elle est bien. C'est une balle, mais elle fait. Elle pouille-pouille, là. C'est très léger. Je sais pas si vous en entendez. En fait, c'est comme un petit sifflement. En fait, c'est juste un petit trou dans la balle. Du coup, quand il appuie dessus, il y a comme un petit sifflement qui sort. Mais parce que souvent, lui, c'est pas le ballon qui craque, en fait. C'est juste le pouille-pouille qui arrive à un moment, bah, il s'enlève, ou avec la pression de la mâchoire, peut-être. Mais souvent il les craque pas. Mais une fois qu'il n'y a plus le pouille-pouille, ça n'intéresse plus quoi. Vous voyez là, on l'entend. C'est celle-ci. Ça fait style ballon de rugby. Hein? C'est à qui ça? C'est à qui ça? Je vais le prendre. Je vais le prendre. T'es sûr que je prends? T'es sûr que je prends? Ouais, il aime bien les jouets qui font du bruit. Nous un peu moins, mais lui aime bien. Mais celui-là, ça va, ça fait pas trop de bruit. Allez, il y a un petit oiseau qui siffle. Je vais faire un peu de montage, travailler un petit peu sur la chaîne. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les crêpes pour demain. Donc des crêpes au levain. Alors, je vais les faire au brobo, mais c'est tout à fait possible de les faire, vous voyez, comme vous faites vos crêpes d'habitude, en fait. C'est juste parce que je gagne du temps. Ils mixent tout et hop. Donc, j'ai fait fondre mon beurre, donc 25 g de beurre, un petit peu. Je vais rajouter 250 g de farine. Hop, balance. Donc la farine là, c'est de la T45. Par contre, il faut un levain qui est actif parce qu'on va s'en servir comme agent levant. C'est pas comme quand vous incorporez, vous voyez, un levain défraîchi, que vous avez déjà rafraîchi il y a quelques temps, écarté, voilà le mot que je cherchais. Donc c'est pas comme un levain écarté que vous n'avez pas nourri et qui n'est pas en pleine puissance quoi, en fait, de sa, vous voyez, au max de pouce. Là en fait, souvent le levain est un peu affaibli quand c'est un levain écarté et on s'en sert pas forcément comme agent levant, mais plus comme pour apporter des bien fait en plus à la pâte et éviter de le jeter aussi. Mais aussi, ouais, comme je vous ai dit, ça apporte quand même les bonnes bactéries qui sont dans le vin, ça vous l'apporte dans votre préparation. Là, on s'en sert vraiment comme agent levain. Donc il faut vraiment avoir un levain que vous avez nourri la veille ou le matin. Si mettons vous faites les crêpes le matin, vous pouvez les nourrir la veille, mais si vous les faites comme moi le soir, pour pouvoir les faire cuire demain matin, il faut les avoir nourris du matin. Donc, il faut qu'il soit à son max de pouce, quoi, en fait. Donc là, du coup, j'ai ajouté mes 250 g de farine, donc de la farine blanche T45. Je vais ajouter du sel. Alors, c'est des crêpes qu'on va manger sucrées, mais on peut très bien, il n'y a pas de sucre dedans. Donc, vous pouvez très bien vous en servir pour en faire des crêpes salées aussi. Et du coup, je suis même en train de me demander si je ne me servirais pas de crêpes plutôt demain, plutôt que de faire un croque. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, je verrai, mais du coup, ouais. Hop là. Vous voyez, faire un peu style crêpe garnie, là, un peu comme les crêpes au sarrasin. Vu que c'est un peu les mêmes préparations que... Enfin, j'ai du jambon, j'ai du fromage, c'est ce que j'allais mettre dans mes croques. Donc voilà, autant faire des galettes complètes.
vu qu'il y aura des crêpes. Bref, je verrai. Donc j'ai rajouté mes 5 g de sel. Je vais rajouter 100 g de levain donc actif. Donc un levain qui a bien poussé. Hop, vous voyez. Alors là, moi j'en ai déjà prélevé pour faire mon pain. Il est bien mousseux. On dirait une mousse au chocolat. Bon, ça n'a pas le même goût que la mousse au chocolat. Mais on dirait. Voilà. Et le reste... Ah oui, j'ai eu une question à la fin. On m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais du reste avec le bocal? En fait, le reste dans le bocal, c'est mon levain que je vais renourrir pour refaire du pain à chaque fois. Donc comme là, il reste dans le bocal, demain matin, je vais le renourrir et il va me resservir à faire du pain. Vous voyez, c'est un peu un cercle infernal, quoi, en fait. Un cercle sans fin. Mon levain, j'en garde toujours dans mon bocal qui me sert à nourrir, à le renourrir pour pouvoir refaire du levain. Si j'ai plus de levain, je dois refaire mon levain de zéro, quoi, en fait. Donc à chaque fois j'en garde un petit peu pour pouvoir continuer à faire du pain. Donc du coup j'ai mis mes 100 g de levain, je vais ajouter 4 œufs entiers et 500 g de lait. Donc là, j'ai ajouté les œufs, j'ai mon levain qui flotte à la surface, les œufs, le lait, la farine. Donc je vous répète les ingrédients, 250 g de farine de la T45, 5 g de sel, 100 g de levain, 4 œufs, 25 g de beurre fondu, 500 g de lait. Et on mixe tout. Donc si vous, comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire dans un blender ou le faire avec votre appareil, vous faites vos crêpes d'habitude, quoi. Donc là, j'ai ma pâte à crêpes, je suis en train de regarder, je vais peut-être donner un petit coup de Maryse sur les côtés pour enlever la farine. Est-ce qu'il y a des grumeaux? Non, ça va, ça a l'air d'aller. Hop là. Donc là je vais mettre la pâte dans un pichet et moi je la mets au frigo parce que comme c'est pour demain, je la mets au frigo, il y a du lait, il y a des œufs, donc je prends pas de risque. Hein. Je la mets au frigo, elle va fermenter tout doucement jusqu'à demain et au pire je la sortirai, je la laisserai un tout petit peu lever, vous voyez, hors de frigo. Donc je la mets dans un pichet et puis... elle va aller passer, faire un petit dodo pour cette nuit dans le frigo. Et comme je vous ai dit, je pense que je vais peut-être m'en servir pour demain midi pour faire des crêpes farcies. Hop, ça va au frigo. Alors ma carafe, au cas où, elle vient de Ikea. Elle est trop belle, je trouve. Elle est trop pratique en plus. Donc voilà, c'est au frigo. Donc demain matin, je la sors, je la laisse un petit peu à température ambiante, une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Et je les fais cuire quoi, en fait, comme des crêpes normales. Quoi, en fait. Comme je vous ai dit, après si vous voulez vous en servir en sucré, vous pouvez rajouter un peu de sucre dedans. Mais moi souvent dans mes crêpes, je mets plus c'est soit de la rhum ou soit, enfin soit de la rhum vanille ou soit du rhum. Quand on les mange en sucré, mais je rajoute pas forcément du sucre dedans puisqu'on met du sucre sucré dessus, donc j'en vois pas la nécessité. Par contre quand on les mange en salé, je mets rien du tout quoi, en fait, à part le pain. C'est de séparer le repas de ce soir. Donc mon bourguignon est dans la mijoteuse, il cuit tout doucement. J'ai préparé une salade d'endives. Greg est rentré, il avait été nettoyer la voiture comme je vous avais dit, et je vous ai montré qu'il est en train d'arroser les fleurs, enfin les fleurs, les semis dehors. Et il me faisait montrer qu'il y avait, c'est le kiwano. C'est ce qu'on vous disait, qui ressemble entre le kiwi, la banane. Enfin, c'est un fruit, concombre en fait, mais c'est un fruit. C'est de la famille des courges, mais c'est un fruit. Ça se mange un peu la texture fruit de la passion en fait à l'intérieur. Et du coup, il y en avait un qui était en train de pousser, là, il est en train d'arroser. Avec le soleil qu'on a eu aujourd'hui, ça commence un petit peu à la fois à pousser. Hop. Allez, je vais faire ma purée du coup. On va pas tarder à manger. Le bourguignon est cuit. Je vais vous montrer. Stécie a avancé sur son... Alors c'est super grand, hein, ça fait... ouais, ça fait 40 sur... 30 sur 40.
Donc en fait elle a des palettes comme ça. Alors, au début elle avait tout installé, mais ce qu'il y a c'est que ça prend de la place. Donc elle fait palette par palette et vous avez le dessin en dessous et elle doit le reproduire en fait par transparence. Ce qui alors je sais pas, là on voit pratiquement pas la, vous voyez, la différence. Donc là c'est le papier. Hop, et ça du coup voilà, elle a pratiquement fini une palette. C'est vraiment joli hein. Ça fait un peu comme le diamant painting, mais en avec ses perles à repasser, quoi, en fait. C'est un peu plus réaliste. Ouais, c'est vrai que ça ressort plus. Et après, quand tu vas le repasser, ça va encore plus se ressortir. Par contre, ouais, tout est mélangé. C'est horrible. Toutes les perles sont mélangées. Donc, du coup, il faut tout trier. Donc, elle a piqué mes petites boîtes en plastique. Et elle s'amuse à tout trier. En plus, il y en a certains, les couleurs, elles sont très rapprochantes. Il y a des bleus où, en fait, il y a deux couleurs de bleu. Je pense que j'en ai plus. Si, là et là, regarde. C'est ça. Ouais. Donc bah, là, il y a un bleu et là, il y a un autre bleu. Là, il y a les deux blancs. Ah ouais, il y a deux blancs aussi. Ouais. Donc, bah, il faut bien... Après, les couleurs, elles sont pas pareilles. Du coup, tu dois faire attention à que tu trompes pas les couleurs qui correspondent à quelle couleur. Ouais. Ça va l'occuper pendant les vacances, elle aime bien faire ça. Puis c'est relaxant, enfin moi aussi j'aime bien faire ça. Allez. On va pouvoir manger. Après, fils, il bosse. Et puis, on va manger. Je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain. Demain matin, je peux dormir, moi. Je suis déjà un petit peu en vacances. Hein? Allez. Bisous. À demain. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep